Sylvain, Sylvain, viens expliquer ce qu'on va faire. Nous allons aller dans une base militaire, une école militaire. Neuf. Nous allons aller dans une base militaire, une école militaire plutôt, qui servait à l'époque pour les jeunes après le bac pour faire leur service. Elle était donc arrêtée au début des années 90. L'école est abandonnée. Elle a des bâtiments, des documents administratifs, des documents militaires. Et mon père a fait son service militaire dans ce bâtiment à l'époque. Et trop cool. Je quitte la zone, je mène dans la Côte d'Azur. Côte d'Azur, l'île dans la Côte d'Azur. Médusa, enfoiré mon boussin. Elle a des pulsions comme ça des fois. Parce qu'elle se casse la gueule. Oh, 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 si tu veux. Oh, on adore aller sur les toits, nous. Ouais, ouais. Là, il n'y a pas le caporal qui va venir te sortir. On va fermer sa gueule. Venez, on prend tout le bâtiment, on le retape et on fait des méga soirées ici. Ah, on va où, Sylvain, là? On va dans le bâtiment administratif. Ah, ah, bah, c'est pour nous. Je vais pas rassurer la rueur. On va le voir détalé comme une biche. On râle pas. Avant de rentrer, je suis. C'est de l'urbex, mais il faut être propre. Et c'est, toi, c'est important. Je reviens, je vais faire pipi. Alors là, je viens de faire pipi dans les toilettes. Et c'était une expérience pas ouf. Et intéressante. Des avis de mission. Wow. Depuis ma lettre numéro 5, il y a un accord entre le gouvernement de la République de Poissy et le gouvernement de la République française pour l'assistance. On a découvert un complot de ouf. Rentrons, on ne peut plus voir du temps. Une grosse araignée à tes pieds. Arrête, arrête, c'est vrai. En même temps, c'est pas drôle. Ouais, mais ça, ils sont dénudés. Passe, pas assez encore. Ah, ils sont beaux les matelas. Là, c'est décevant. Ça sent le cul. Allez, c'est parti, je fais deux moritons. On va attaquer. Parcours. Alors, bienvenue chez moi. Il y a du cuivre. Oh putain. Rien à foutre. Sylvain le gitan qui cherche du cuivre. Je suis sûr qu'il y a du cuivre. Tu peux le récupérer pour le ramener. T'as trouvé quoi, Sylvain? J'ai réellement trouvé du cuivre. Venez avec moi. Ah, ça, t'en as au moins pour 1000 euros. Donc on est dans un bâtiment, on sait pas trop ce que c'est. Tu sais ce que c'est, Florent? Non. Florent non plus, c'est pas ce que c'est. J'aurais été. Oui, c'est galère. Un vrai balai à chiottes authentique de la Seconde Guerre mondiale. Regarde mes potes, ce qu'ils ont fait. Ils sont gavés, frère. Pour l'anniversaire de la petite, ils sont tous sur Disney. Arrête, arrête, arrête. Nous avançons. Couloir. Par ici, des suicides sont arrivés. Par milliers, nous essayons de découvrir la vérité. Venez avec nous. Oh, oh, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Chiasse. Quelqu'un apparemment avec une très grosse gastro. Attends, mais c'est du sang, ça. Attends, on reprend ici comme ça. On peut avancer. Nous sommes dans une pièce secrète. Nous allons essayer d'avancer. Plusieurs touristes essaient de visiter cet endroit depuis des années. Nous allons avec eux déchiffrer le code. Baptise ce problème, oui. Un message codé que nous découvrirons sûrement dans quelques années. Flo, 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 montre-moi ta grenade. Nous avons trouvé une grenade. Wow. Non, mais si ça fait moins fake. Ça fait fake. Par contre, si tu fais ça, là. Elle est peut-être encore active. Attention. Oui. Vous m'avez dit non, ouais. Vous m'avez engueulé quand j'ai proposé. Parcours. Qu'est-ce qu'il va faire, non. Ça?
Le formulaire E46 22 43 58. Je vais trop bien. Bonjour, je voudrais un formulaire E46 s'il vous plaît. Monsieur, non mais monsieur, putain bordel. Je suis là depuis 9h.